monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge Tour d'horizon des arcanes majeures et pour voir ensemble les illustrations du chariot. Alors, j'ai puisé la carte dans le Marielle Tarot de Mary White. Encore une fois, c'est vrai que ce tarot a des illustrations magnifiques. Allez, regardons ensemble ce chariot. Voilà, je le trouve somptueux. Alors, j'aime ce côté chamanique dans cette carte. J'aime les loups. C'est un animal que j'apprécie particulièrement. Voilà, et j'aime donc l'énergie positive de cette carte et l'énergie qui fait avancer. Voilà. Cet esprit de meute. Voilà, le chariot, il va avancer, quoi qu'il arrive. Hein, et on va aller vers cette victoire. En tout cas, on va suivre la voie que l'on a décidé de suivre. Voilà, il y a une certaine détermination aussi dans cette carte que j'aime bien. Voilà, la seconde, je l'ai pris dans le tarot du doux crépuscule parce qu'elle est un petit peu décalée, j'allais dire, sans être décalée dans le symbole et le message de la carte, mais dans le personnage. Il y a un côté Tim Burton à cette carte que j'adore. J'adore. Voilà. Donc, il y a... Elle a beaucoup de symboles aussi, cette carte. Hein. Voilà, bon, il y a les chevaux qui partent dans deux directions opposées, hein, comme dans le tarot de Marseille. Il y a la lune, il y a le soleil. Il y a énormément d'énergie. Alors, on voit le ciel qui est rouge. Voilà, il y a aussi un esprit d'aventurier, je trouve, dans cette carte. C'est bien. Et la troisième, je l'ai pris dans le tarot Les Arcanes de l'Étoile. Alors là, c'est juste un personnage. Mais quel personnage? Il y a une détermination dans le regard. Enfin, ça suffit, quoi. Le message passe rien qu'avec le visage. On voit qu'elle n'hésite pas, autant avec l'amoureux, la carte avant, on était dans une décision à prendre, un choix à faire, des hésitations, autant là, ça y est, le choix est fait, elle n'hésite plus, elle va prendre à main les rênes du chariot, et elle va avancer et suivre ces étoiles qui vont la guider. Alors elle a une cicatrice sur le visage, qui montre que par le passé, elle a été certainement... elle a eu des épreuves à surmonter, donc elle est prête. Elle a mis une armure, voilà, elle se protège et elle a raison de se protéger puisque c'est pas facile, le chemin n'est pas facile, mais elle est déterminée à avancer et à aller vers la victoire. Voilà, donc je la trouve très très belle cette carte. Voilà pour mes petits chariots. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour la justice. Bye bye.